Heureusement qu'on a les chaussures de marche. Bon, à cette plage, normalement, à marée basse, on peut, en fait, y a, donc comme l'eau s'est retirée, il y a des espèces de bassins dans de la roche où on peut se baigner et l'eau est chaude parce qu'avec le soleil, ça a permis de bien chauffer dans les petits bassins. Sauf que, bah, du coup, il faut le faire à marée basse et donc j'avais écrit sur mon planning venir le matin parce que la marée remonte à 14h. Sauf que en lisant vite, j'ai cru qu'il fallait être là à 14h et du coup bah, on est en pleine marée haute donc on peut même pas y accéder. Et en plus de ça il pleut donc de toute manière je pense pas qu'on se serait baigné. Mais bon c'est un peu dommage même si ça reste quand même magnifique. Je sais pas où nous fait passer le GPS mais c'est vraiment des routes de petits villages perdus. Et c'est même pas goudronné. On a vraiment l'impression d'être au milieu de la comté en fait, partout. Surtout que c'est que des prairies, c'est rigolo. Petit arrêt à l'improviste, c'était pas du tout prévu mais on peut voir il y a des raies, il y a des petits requins, des poissons. Donc c'est sympa. Sur le chemin pour rejoindre le Airbnb, voilà ce qu'on voit. Une superbe plage. En fait toutes leurs plages sont bien quoi, même celles qui sont dont on n'entend jamais parler sur internet parce que là il n'y aurait pas eu le Airbnb, on serait jamais venu ici. Et la couleur du sable, c'est pas souvent qu'on voit ça donc c'est super cool. Alors on vient de faire 1h30 de route pour voir un cap, sauf qu'on est en plein dans les nuages, du coup on voit rien du tout. Voilà, on est à la pointe la plus au nord de Nouvelle-Zélande. Ça va, ça s'est découvert quand même, il suffisait qu'on arrive pour que le soleil se lève. Et donc juste derrière moi, il y a le phare le plus au nord donc de Nouvelle-Zélande et la mer de Tasmanie qui rencontre l'océan Pacifique. C'est pour ça qu'il y a les vagues dans les deux sens. Oh, on a notre planche de surf. 15$ pour quelques heures, c'est beaucoup moins cher qu'en Australie. On a les dunes, ça devrait être sympa.
l'arbre qui est là, il a 2000 ans. Et je trouve ça incroyable parce que il n'y avait pas, même pas encore toute cette histoire de Jésus-Christ ou quoi que ce soit. Donc imaginez toutes les histoires qu'il a racontées. 2000 ans, c'est énorme. Il mesure au total 51 mètres en hauteur, avec un tronc qui fait à lui seul 17 mètres et 13 mètres de diamètre. Donc on se sent tout petit à côté. Moi j'avais besoin de prendre 5 minutes pour réaliser que déjà il a 2000 ans. La taille qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Donc il mérite bien son nom de roi de la forêt. Alors de ce que j'ai compris hier de la visite guidée qu'on a eue pour aller voir les kiwis, il nous a aussi parlé des kauris, donc les arbres qui peuvent vivre jusqu'à 2000 ans. Et en gros jusqu'à 250 ans, ils grandissent et à 250, ils arrêtent de grandir et ils grossissent.